Ces actes qui se traduisent par les agressions et le harcèlement perturbent l'apprentissage. Cette situation affecte considérablement l'apprentissage des élèves, les conduisant à la dépression et à l'anxiété. Abordé sur cette question, Jean-Luc Oningou, proviseur du lycée Les Trois Glorieuses, a réagi. Notre mur qui faisait office de protection de notre concession s'étant écroulé, cela laisse un peu comme libre cours à non seulement à des agresseurs extérieurs, souvent qui se masquent en élèves, puisqu'il nous avait été déjà donné de mettre la main sur beaucoup de bandits habillés en tenue scolaire, venant à chaque fois armés des machettes, des couteaux, des fourchettes, pour agresser nos élèves. Pour pallier à ce problème au plan interne, nous avons pris d'abord l'option qui consiste à maîtriser nos effectifs, dresser les listes dans chaque classe, remettre les listes aux enseignants pour qu'ils maîtrisent les élèves qui fréquentent leur classe. Ensuite, au plan externe, nous avons, avec les parents d'élèves, pris la résolution de commencer à construire le mur de clôture écroulé. Exposés aux multiples dangers, les apprenants devraient donc observer les mesures disciplinaires et leurs applications. Et nous demandons toujours à nos élèves d'appliquer strictement les principes de ce règlement intérieur pour qu'ils soient des élèves disciplinés, des élèves studieux, qu'ils ne se livrent pas à des bandes de banditisme. Les parents également, ayant une part de responsabilité, devraient veiller à la bonne conduite et à l'éducation de leurs enfants, comme l'a souligné Jean-Luc Oningou, proviseur du lycée Les Trois Glorieuses. Il nous a été donné aussi de constater que ces enfants-là, quand ils quittent même la maison, même leur habillement frise la désinvolture. Les parents, quand ils voient les enfants sortir, ils observent bien que là, l'enfant n'est pas, bien qu'il soit en tenue scolaire, mais la tenue n'est pas conforme. Les nids de ce banditisme-là ne sont pas seulement dans la concession de l'école. Ça part aussi souvent de la cité, de la société. Et nous ici, au niveau de l'école, souvent on ne subit que les conséquences de ce relâchement, de ce manque de suivi des parents. L'effort collectif peut mettre un terme à cette situation, car aucun enfant ne devrait avoir peur d'aller à l'école.